le gars qui est venu, qui a vu la première mi-temps, il ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. À la mi-temps, bon, les 30 premières minutes, on joue bien. On mène 1-0 et comme d'habitude, on sort déconcentre, on prend un but sur une erreur. Une erreur de déconcentration. Bon, 1-1 à la mi-temps. J'essaie de les booster à la mi-temps, mais j'ai dû faire un discours de merde. On prend 3 buts en 6 minutes. C'est fini, le match il est plié. 3 buts en 6 minutes. C'est impensable. Oh. J'ai pas de mots pour analyser la prestation. Bon, le principal responsable, c'est moi, parce que j'ai fait une équipe, mais catastrophique. L'équipe du début de saison, et quand on voit ce qu'on fait maintenant, on vient de se dire les choses dans les vestiaires. Il y en a un qui... Ils sont en vacances. Ils sont persuadés qu'ils sont maintenus. Donc, on s'est relâché, c'est pas normal. Mais bon, match le plus important, c'est le prochain qui vient à Bastia. Il faut qu'on fasse tout pour essayer de redresser la barre, parce que si après une saison comme ça, on descend, eh ben, on n'aura plus que les yeux pour pleurer, mais on l'aura mérité, parce que c'est ça, si on continue comme ça, on y va tout droit en CFA. On savait que c'était un match à enjeu, un enjeu pour nous, certainement. On avait 2 points de retard sur Belfort, et on savait que en cette fin de saison difficile, il fallait prendre des points partout, et on s'était mis comme objectif de vouloir venir gagner ici. Alors entre vouloir et pouvoir, il y a toujours un monde, mais mes joueurs ont su, notamment au retour des vestiaires, vouloir gagner ce match, et ils l'ont bien fait, oui.